Bah écoutez, effectivement, c'est nouveau, c'est la grande nouveauté de la rentrée. Pourquoi un catalogue papier? Tout simplement parce que nous tenons compte des demandes, des lettres, des coups de téléphone de nos adhérents et que bon nombre d'entre eux ont demandé en fait à avoir un support papier. Et après mûre réflexion, on s'est rendu compte que leur doléance était tout à fait acceptable, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont à caractère strictement multimédia, comme des vidéos de démonstration, qui ne peuvent pas être portés sur un support papier. Donc là, l'essence même, c'est le catalogue CD-ROM. Et puis d'autres choses qui sont des informations sur les produits, des copies de jaquettes et autres commentaires qui n'ont rien à faire sur un CD-ROM, doivent être portés sur papier. Donc ça explique essentiellement, en fait, cette décision, ça explique par cette constatation. C'est même tout près, c'est-à-dire que la décision vient d'être prise de lancer un serveur du club sur Internet. Bon, lancer un serveur, c'est une grande décision, c'est beaucoup de travail, et je pense que le serveur sera prêt fin octobre. L'objectif, c'est avant tout de donner l'information en temps réel à nos clients. Les titres, et surtout en cette fin d'année, sortent à une vitesse accélérée. Pour nous, il est important que les gens qui sont dans le club soient au courant en temps réel. Internet va servir à ça. Internet va servir également à présenter, donc les gens pourront télécharger des vidéos de démonstration et nous fondons beaucoup d'espoir sur le développement de notre scène. Toujours la notion de service pour nous est hyper importante. Un club, c'est communiquer avec ses adhérents, c'est également leur rendre tous les services possibles. On se rend compte que des jeunes, comme des moins jeunes d'ailleurs, quand ils font un achat, il y a une chose qui est un peu détestable, il y a un achat de réactivité. On aime bien toucher le produit tout de suite, en tout cas pas attendre 10 jours ou 15 jours pour le recevoir. Donc on a pris en compte un peu toutes les demandes de ce type et effectivement nous lançons un service Colissimo où à partir de maintenant, effectivement, sur coup de fil, Minitel ou par courrier, dès que nous aurons traité la commande, 48 heures après, le produit sera livré directement chez nous. Le service Cofidis, c'est avant tout un service, je dirais, de grand public. Pourquoi? Parce qu'en France, il y a 2 800 000 possesseurs de cartes Cofidis. Ils règlent leurs achats au catalogue 3 Suisse et nous sommes une filiale de 3 Suisse. Il nous paraissait important d'implémenter ce service rapidement. La raison essentielle, il y a des encyclopédies qui coûtent 1 000 francs, 1 500 francs. Vous avez des collections qui coûtent jusqu'à 2 000 ou 3 000 francs CD-ROM. Et c'est vrai que cette carte permet de faire passer une dépense qui peut paraître lourde et qui est lourde. J'irai d'une façon beaucoup plus simple. La raison est toute naturelle. La console, c'est simplement une extension de l'univers multimédia. Pour nous, ça nous paraissait important après avoir lancé l'activité CD-ROM, après avoir lancé l'activité CDI. Tout naturellement, nous lançons l'activité console et c'est essentiellement sur l'avenir, à savoir les consoles 32 bits, PlayStation de Sony, Saturn de Sega et très prochainement Ultra 64 de Nintendo.